Gros, moi, c'est ce que j'ai dit, frérot. Les matchs comme ça, il faut y aller avec les mecs qui connaissent. Il faut y aller avec les mecs qui connaissent. Mais j'ai l'impression que le coach et son staff ne connaissent pas l'historique, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ils connaissent pas l'historique, ils connaissent pas les joueurs, ils connaissent pas le passé. Tu vois ce que je veux dire? Parce que comme tu as dit, frérot, dans ce genre de match, là, il faut des mecs qui ont de l'expérience. Des mecs qui sont capables de te ressortir le ballon. Et je l'avais dit, frérot. Moi, je l'ai dit. Tout ce que vous me dites, là, je l'ai dit, frérot. Je l'ai dit. Pour moi, Gaël, il doit commencer le match, frérot. Gaël, je lui demande, tu veux jouer avec qui? Il me dit Poku derrière pour que, vas-y, ça joue un minimum, pas qu'on mette des chandelles, tu vois. Tout ça, c'était prévisible. Comme tu dis, frérot, un mec comme Kebano, frérot, ça fait longtemps qu'il est en sélection. Et ces mecs-là, ils connaissent, frérot. Et j'en veux pas aux autres, tu vois. Je dis pas que, comme tu as dit, frérot, oui, ça, il a fait un bête de match, allez, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, Bastien, il doit pas jouer ce match-là, frérot. Il doit pas jouer ce match-là, frérot. Il doit pas, voilà, il doit pas, frérot. C'est pas qu'il est pas bon ou quoi que ce soit, non. Mais frérot, là, c'est des matchs. Hey gros, faut de la bouteille, comme tu as dit, frérot, la tête d'homme. Là, c'est faut prendre le ballon, faut obtenir des fautes, faut la conserver, faut faire jouer ton équipe. Gros, on te demande pas de faire un match normal. Là, on te demande de faire le match. Tu vois ce que je veux dire? Le match, frérot. Et non, frérot, t'as vu, ça, c'est des matchs, faut pas se cacher, faut les jouer. Parce que si tu te caches, frérot, tu donnes de la confiance à l'adversaire, frère. Et nous, c'est là qu'on a pêché. On leur a donné trop de force au Maroc. On leur a donné trop de force. C'est ça qui nous a tués, frérot. Parce qu'en soi. Oui, Maroc, si tu veux, frérot, mais c'était pas... T'as vu, ils nous ont mis 4-1, mais c'est paradoxal ce que je veux dire. Ils nous ont mis 4-1, mais c'était pas waouh. Tu vois ce que je veux dire? C'était pas un grand Maroc. Même ici, ils auraient pu mettre 5, 6, 7, tu vois, parce que franchement, on avait tellement fait de la D qu'on méritait que ça, frérot. Mais je te jure que, avec un peu plus de détermination de notre part, frérot, on aurait pu les mettre en danger et ça aurait pas été le même match, frérot. La tête d'homme. On leur a trop facilité le match. On leur a trop. Après, je dis pas qu'on doit faire match nul ou qu'on doit gagner. Non, même si tu perds, on leur a trop facilité le match, frérot. Et les Arabes, tu connais, frère. Une fois qu'ils sont en confiance, en plus chez eux, stade plein. Eh hey, frère, ça y est, mon frère, c'est fini, gros. C'est fini. Après, les gens, faut les éduquer aussi, tu vois. Faut les éduquer, c'est ce que je disais. Ils sont là, ils voient que la finalité. Mais non, frérot, c'est... en fait, c'est plein de petites choses qui misent bout à bout. Faut qu'on en arrive là. Et ouais, c'est bien beau de croire. Ouais, on va battre le Maroc, on va aller en Coupe du Monde. Oui, je veux bien, frérot, tu vois. Mais tout ça, ça se prépare. C'est pas en claquant des doigts, tu vois. Sur un coup de... Tu connais, frérot. Sur un malentendu, on peut se retrouver là-bas au Qatar. Non, frère, non. Parce que même si on serait allé comme ça, on serait fait marbrette, de toute façon. Moi, quand je vois des sélections comme le Mali, frérot, je me dis, mais voilà, laisse tomber, frérot. On a trop de retard. Le Mali, t'as vu, ils ont pas d'argent, frérot. Ils ont rien, frérot. Ils sont là, ils sont structurés, ils ont des académies, ils ont des centres, ils ont des stades. Wesh, la Tanzanie, ils ont des stades. Madagascar, ils ont des stades de fou, frérot. Voilà, de fou. Il y a le Sénégal, le stade qui se sont fait livrer. Oh non, je sais pas, frérot, on n'y arrive pas. Franchement, on n'y arrive pas, frère. On n'a pas cette culture du football. On aime. En fait, on s'aime pas, frère. Tu vois ce que je veux dire? On s'aime pas. Vous voulez aller là-bas, oui, mais vous mettez pas les moyens. Mettez pas vous. Moi, pour moi, on se donne pas les moyens de réussir dans le football, frère. C'est ça, en fait. Voilà, c'est ça. Dans tout. Dans les infrastructures, dans les choix, dans les trucs de coach, dans tout, frère. On se donne pas les moyens, frère. Dans le choix de l'équipement, dans tout. Et voilà, son truc, il a marché dans aucun sens. Si tu mets, comme je dis, tu mets 5 défenseurs, c'est pour solidifier derrière. On prend 2 buts en première mi-temps, donc c'est wow. Et devant, on n'arrive même pas à se procurer des actions. C'était wow, c'était naze. Voilà, c'était nul, les mecs. La vie d'homme. Et c'était. Plus le terrain, il était clair. Ça, c'est des terrains pour jouer, frère. La vie d'homme. Pour... Sans l'équipe qui va jouer, frère. T'es là, tu me sors un truc. Ah, vas-y, frère, j'ai même pas les mots. Non, mais laisse, moi, je sais, de toute façon, je m'en fous. Là, je te mens pas. Gros, je sais ce que je veux, t'inquiète, chacal. Donc, non, moi, quand je dis je vais arrêter, voilà, ça, parce que ça me casse les couilles. C'est des matchs que j'ai vécu des dizaines de fois. Et sauf que maintenant, ça y est, mon frère, t'es, on prend de l'âge, tout ça. Et j'ai pas que ça à faire, mon frère. Voyager pour venir jouer dans des conditions comme ça m'intéresse plus, frère, je te mens pas. C'est moi à Marseille, je vais mettre mes putes tranquille, frérot, ma petite vie. Et parce que j'ai gaspillé trop d'énergie dans cette équipe, frérot. Vous voyez pas tout ce que j'ai fait, frère, mais voilà, j'ai gaspillé trop d'énergie dans cette équipe-là, frère.
En plus, tu regardes notre bande touche, gros, tu tires les cheveux, frère. Wesh, t'as Malango, t'as Bokani. Bokani, il est rentré, il a dû gagner tous les duels de la tête. Malango, il est rentré, boum, direct but, frère. Il y avait qui? Il y avait Polo. Polo, frérot, lui, il nous aurait fait du bien sortir de ballon. À chaque fois, je le disais au coach, mais je sais pas pourquoi ils veulent pas le faire jouer, frérot. Voilà, je comprends pas, frérot. T'as Kakuta, t'as Kebano. Et wesh, il y avait. Eh, notre banc, c'était la folie, frérot. Pour un match comme ça, frérot, notre banc, c'était la folie. Mais non, toi, t'es là, tu vas mettre des 5 défenseurs. Je sais pas, on dirait, on a gagné 2-0 au match aller, on doit solidifier le score. Arrêtez, mon frère, voilà, arrête, gros. On n'a pas de centre d'entraînement. On est la seule équipe. Si tu regardes bien sur les 10 dernières équipes qui restent là, nous, on est la seule. On n'a pas de terrain d'entraînement, de centre d'entraînement. On est la seule équipe à ne pas avoir un stade homologué, frère. On n'a pas de siège dans le stade. On n'a pas de toilette dans le stade. Eh, vas-y, frérot, c'est trop. On a un équipement de merde. Vous voulez partir à la Coupe du Monde avec ça? Je sais pas, frère. Voilà, je sais pas. Une fédération qui pèse pas, frère. Laisse tomber. Voilà, c'est trop compliqué. Et c'est ce qu'on disait, frérot. Tu joues à 3 derrière. Eh, vous êtes 3 derrière. Plus le gardien, ça fait 4. Les deux sur les côtés, ça fait 5-6, eh, frérot. Et on n'arrive pas à repartir de derrière. Eh, frérot, à un moment donné, j'ai envie de te dire, tu vois. Oh, si c'est pour mettre des pétards devant, ça sert à rien de mettre 3 défenseurs derrière, frérot. Wesh. Et je disais à Chris, Chris, il était là en plus. Chris, en plus, c'est un arrière central et il est gaucher en plus, frérot. Donc lui, il aurait pu jouer arrière central gauche. Tu vois ce que je veux dire ou quoi, frérot? Et ça, j'avais même pas tilté carrément. Tellement il y a des trucs dans ma tête à gérer, frérot. J'ai même pas pensé à ça, frère. La tête d'homme. En fait, c'est une dinguerie, frère. T'as un arrière central qui est gaucher, mais tu vas mettre un droitier qui va jouer à gauche. Bref, laisse tomber, frérot. Et non, non, voilà, laisse tomber. On a fait pitié, franchement, on a fait pitié, frère. Voilà, on a fait pitié. Il n'y a pas d'autre mot, frère. On a fait pitié. Carrément, j'aime mon gars, là, Amin Harit. Lui, c'est un Marocain. Il m'a dit, wesh, il a fait quoi votre coach avec la compo? Il m'a dit, le Konko, vous êtes trop naze. Il a dit, même moi, j'ai pas compris votre compo, frère. Eh, laisse tomber, cousin. On a donné une sale image de notre sélection. Là, j'ai le seum. Voilà, j'ai le seum. C'est dommage. Non, en gros, c'est ça. C'est ça. Quand je vous dis, il faut les éduquer, les gens, c'est ça, frère. Moi, c'est de tout ça que je te parle, frère. Lui, ils sont. Après, c'est normal aussi, c'est des supporters, mon gars, tu vois. Ils s'en battent les couilles de. Tu connais, les tenants et les aboutissants. Eux, ce qu'ils voient, c'est la finalité. C'est normal, moi, je leur en veux même pas, frérot. Je leur en veux même pas. Mais ouais, t'as tout dit, frérot. De toute façon, Eh, gros, t'as juste à regarder les buts que je mets à Marseille. Frérot, le premier but que je mets à Lens, et je combine avec Guendouzi, tac-tac, ils m'envoient en profondeur. Tu vois ce que je veux dire? Il y a de la recherche. Là, le dernier but que j'ai mis là, avant de venir en sélection, frérot, pareil. On est là, tu me trouves, tac-tac, ça combine, l'autre il centre, boum, but, tu vois ce que je veux dire ou quoi? Mais il y a des trucs qui se passent. Frérot, hier, c'est pas possible. Ce n'est pas possible, frérot. Ce n'est pas possible, frérot. Tu peux rien faire. Tu peux pas, frérot, tu peux pas. J'essaie de m'associer, j'essaie. C'est gros, il n'y a pas. De toute façon, il y avait. Laisse tomber, frère. Laisse tomber. Et moi, comme je vous ai dit, moi, j'en veux pas sans plus. Moi, pour moi. Vas-y, frère. Moi, je m'en veux pas, frérot. Pourquoi? Parce que le truc, il était prévisible. À un moment donné, il faut que chacun prenne ses responsabilités, même nous, les joueurs. Tu vois. Moi, j'ai vu. Carrément, la compo, je vous l'ai dit. Je vous ai dit la compo, frérot, avant le match. Même si je suis sceptique. Je t'ai dit la compo. C'est-à-dire que nous, on était au courant. Moi, 2 jours avant le match, j'étais déjà en discussion avec le coach. On était au courant de ce qui allait se passer. Et je l'ai dit aux joueurs. Les joueurs, ils sont là. Oui, c'est vrai, oui. Non, gros. C'est pas hier dans le vestiaire qu'il faut commencer à s'énerver. C'est quand je vous ai dit la compo, c'est là qu'il fallait s'énerver. Parce que vous, vous avez l'expérience. Vous savez très bien qu'en jouant comme ça, on va se faire marbrer. Mais non. Vu qu'il veut mettre tout le monde content, il veut que tout le monde soit content, que ces 3 défenseurs ne sassent pas la guerre, vas-y les amis, les 3. Et non, frérot, c'est pas comme ça la vie. Aujourd'hui, tu payes, voilà, tu payes, frère. Tête d'homme, le mec il boude parce qu'il joue pas. Tu les mets, frérot, on prend des tarifs. Non, fallait jouer offensif. Fallait jouer offensif, quitte à prendre des buts, mais voilà, on les aurait mis en danger. Preuve en est quand, en deuxième mi-temps, on a mis un peu plus de poids devant, frérot. On a commencé à avoir des opportunités, à récupérer la balle haut. Parce qu'en premier temps, on n'arrivait même pas à récupérer la balle haut. On a récupéré haut, on avait des opportunités, on a marqué, tu vois. Mais bon, tranquille, frérot. En vrai, c'est même pas la défaite, frérot. C'est moi, c'est la manière qui m'énerve. Tu vois ce que je veux dire? C'est que tu joues même pas sur tes vraies qualités, frère. C'est ça qui fout le seum. Ça fout encore plus le seum. Après, tu perds, c'est pas grave. En face, c'est le Maroc, quand même. C'est pas n'importe qui. Mes frères, les gens qui connaissent pas le Congo et vous regardez le match, ils vont dire ah, vas-y, le Congo, vous êtes guest, frère. Moi, c'est ça qui me rend ouf, frère. Voilà, c'est ça qui me rend ouf. Tu sors pas la tête haute, frère. Moi, quand je vois ça, frérot, laisse tomber. J'ai des remords d'un truc de ouf. Et je l'avais dit en plus. Voilà, je l'avais dit, frérot. J'avais dit Bédek à cette compo, quel message t'envoie? Parce que là, c'est un match, gros. Même si on encaissait 2 buts, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que le 2-2, il nous qualifiait.
Donc t'encaisses un but, c'est pas grave. T'encaisses deux buts, c'est pas grave, frérot. Nous, notre objectif, c'est de marquer. Mais t'es mal à la compo avec laquelle on sort, frérot. C'est... Même eux, les Marocains, frérot, on leur a donné. C'était du pain béni pour eux, là, aujourd'hui, le match d'aujourd'hui. Donc, vas-y, laisse tomber. Mais après, comme t'as dit, le mal, il est plus profond que ça, frérot. Laisse tomber. C'est politique, c'est... Ah, vas-y, frère, laisse tomber, cousin. Moi, j'ai... Moi, la vérité, les gars, je vous m'y donne pas, hein. Moi, ça y est, je crois que c'était le match de trop, les mecs. Là, voilà, je crois que c'était le match de trop. Ouais, mais si tu crois pas, frérot, tu fais quoi? J'ai envie de te dire, c'est l'espoir qui fait vivre. Si t'as plus d'espoir, t'es mort, frérot. T'es mort. Et aujourd'hui, tu fais quoi? Tu viens, tu fais semblant de faire croire aux gens que voilà, tu viens, t'es content de venir défendre le maillot. Non, frérot, moi, si je venais, c'est parce que vas-y, le combat, il me passionnait, entre guillemets, tu vois. Mais si j'ai plus ça, frérot, il me reste quoi, frère? Il me reste quoi? Venir pour venir, flemme, gros. Voilà, je te dis la vérité, flemme. S'il n'y a plus ça, il n'y a plus rien, frère, ça y est. Ça y est. Et d'un côté, t'as vu, j'ai envie d'arrêter, mais d'un autre, frérot, tu vois, les mecs comme Bogunda, les mecs comme Wissa, ils viennent d'arriver, frérot, sinon on se barre. C'est quel message que t'envoies, frère, tu vois? C'est... Ah, laisse tomber, frère. Voilà, comme t'as dit, le mal, il est profond.